gauche, vous à droite. Prêt ? 1, 2, 3, ouvre le feu ! Bon sang, c'est bon de vous voir, Renko. Sans vous, je serais mort à l'heure qu'il est. On est censé rallier le point d'extraction au plus vite. Allons-y. Je suis sûr que cette énorme colonne d'énergie qui va droit vers le ciel n'était pas mentionnée dans le briefing. Ici Devlin 4-1, vous me recevez, Titan 1 ? Titan 1, ici Devlin 4-1, sur la fréquence d'urgence. Répondez, où en est-on avec l'extraction ? Les gens se rassemblent au portail qui mène au dock. Certains disent qu'il y aura pas. Bon, suivons le plan. Allons à la tour radio. On y trouvera peut-être du matériel à récupérer. La sécurité est du devoir de... Comment les renseignements ont pu se planter à ce point ? Cet endroit est tout sauf abandonné. Les enfants sont menés sur 14 et nombreux sont... Il y a quelque chose qui cloche. On devrait au moins pouvoir entendre les transmissions de Titan 1. Une fois encore, le professeur 2... J'espère que l'unité de recherche et sauvetage va pas traîner en chemin. En parlant de sécurité, 14-12 est un lieu rêvé pour vivre. Il existe beaucoup d'endroits agréables pour s'amuser avec vos amis. Mais des dangers rôdent sur l'île. Et si vous voulez apporter votre aide sur 14-12, vous devez faire attention et éviter ces zones. Par exemple, il y a de nombreux bâtiments et routes en construction. Ce sont des endroits dangereux pour les enfants. Et bien sûr, n'oubliez pas les expériences menées sur le 99. Même si c'est notre ami, nous devons parfois être prudents en sa présence. Regardez le petit Ivan et son chien. Il doit faire bien attention au panneau. Oh oh, on dirait que le chien d'Ivan a bourré son museau où il ne fallait pas. Il serait malheureux. Ivan s'approche trop près du complexe de traitement. Prenez garde à vous. Et n'oubliez pas que la sécurité est du devoir de tous sur 14-12. Et bien sûr, la chose la plus importante à savoir, une chose à ne jamais oublier, et tout ceci est possible grâce à Nikolai Demichev. Allons-y. L'uniforme est un peu différent de ce que je connais, mais c'est à coup sûr un soldat russe. Pas de doute. Allons-y. C'est quoi ce bordel ? Vite, donnez-moi un coup de main avec ça ! Ouvrez la porte et couvrez-moi. Sur moi ! T'es dégagé ! Renko, à droite ! Sur moi, à gauche ! Sur moi.
Merde, c'est fermé. Je tiens la position pendant que vous trouvez un moyen d'ouvrir la porte. Voilà la tour radio. On contacte Titan 1 et on se tire de cet asile de fous. Sur moi. J'ai atteint les docks, mais les patrouilleurs étaient tous partis. Il n'y avait plus de place. Non, pas moyen. Fouillez ce poste de garde. Il y a peut-être un autre interrupteur. Ok, on est bon. Revenez sur ma position. Merde, revoilà ces choses. Prenez ce fusil, on va se frayer un chemin. Joli tir! Allons-y! Un hélico! Et c'est pas un des nôtres! À terre! Allons-y. Ah, enfin. La vache, c'est la foire aux antiquités ici. Titan 1, ici Devlin 4-1, est-ce que vous me recevez ? Titan 1, ici Devlin 4-1. On est paré pour l'extraction. Toutes les unités en alerte. Encore un coup des Russes. Je répète, ici Devlin 4-1. Ils doivent brouiller nos communications.
Encore les Russes, comme toujours. Il y a donc rien qui marche sur cette maudite île? Bien sûr que non. Cet endroit est abandonné depuis presque 50 ans. Du moins, il est censé l'être. Bordel, c'est quoi ça? Merde, ces mecs ont pas l'air commodes. Eh ben, c'est vraiment pas bon. Capitaine Renko. Vous êtes le Capitaine Renko, non? Ne soyez pas si surpris. Votre nom est inscrit sur votre uniforme. C'est l'individualisme typique américain. Bien, j'ai quelques questions pour vous. Nom, grade et numéro de série. C'est tout ce que t'auras, Ivan. Relis la Convention de Genève. Cela fait des années que je ne m'en préoccupe plus. D'accord. Nous sommes des soldats américains. Je veux parler à quelqu'un de notre ambassade. Je pense que ça ne va pas être possible pour plusieurs raisons. Notre ambassade, maintenant! Voilà qui est mieux. Vous n'avez pas pris une ride en 50 ans. Je ne vois qu'une seule explication. Le MT, où est-il? Dieu, vous êtes là. Comme l'a dit le Mir 12. Vous devez avoir des tas de questions, mais le temps nous est compté. Par là, vite! Je veux mieux vous scotte! Private Pogla! Je m'appelle Catherine. J'appartiens à une organisation nommée le Mir 12. Nous sommes le Mir 12. Notre mission est de révéler la vérité qui a été dissimulée au monde entier. Dans les années 50,
Une base de recherche militaire a été construite sur Katorga 12. À ce jour, le gouvernement nie son existence. C'est un mensonge. D'après des documents top secrets, la base servait de site de recherche pour le minerai E99. Deux hommes dirigeaient le programme de recherche sur l'E99. Le professeur Viktor Barisov, un expert en physique quantique, n'a pas vécu assez longtemps pour voir le résultat de ses travaux. Il serait mort dans un mystérieux accident de laboratoire. Cet homme a repris la tête du programme après la mort de Barisov. Il a poursuivi pour asseoir la domination russe sur le monde, par une guerre gagnée avec des armes hors normes, développées sur Katorga 12. Aujourd'hui, il est devenu le chancelier Nikolaï Demitchev, le leader du gouvernement mondial. L'ascension au pouvoir de Demitchev demeure cependant un mystère. Notre organisation possède un journal qui indique que Demitchev est un imposteur. Cela soulève même question sur Katorga 12. Que s'est-il passé ici pour que Demitchev accède au pouvoir? Qu'est-ce qui a provoqué tant de destruction et tué tant de personnes? Tout semble accuser cette structure sur Katorga 12, la singularité. Qu'est-ce que la singularité? Le journal prétend qu'un homme nous mènera à ses réponses. Il s'agit du capitaine Nathaniel Renko. Notre mission est de trouver le capitaine Renko et de l'aider à atteindre son but. Nous sommes le MIR 12. Nous révélerons la vérité. Un des scientifiques du projet Singularité a construit une chambre forte. Il faut la trouver. Passez par là. Voilà, un émetteur-récepteur avec GPS. Allez-y! Attention, les radiations dégagées par la singularité ont fait muter les gens qui vivaient ici.